Yo ya estando adentro del auto, me ponen un polerón en la cabeza para que no pueda ver, para que no pueda ver hacia dónde me llevan, y podían pegarme libremente. ¿Y te Como pegaron? sí, me golpeaban y me hacían preguntas. ¿Quién era yo? ¿El lugar donde vivo? ¿Con quiénes vine a la marcha? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Il y a 40 ans, un coup d'État renversait le gouvernement de Salvador Allende. Préparé par les États-Unis, organisé par la CIA, perpétré par les militaires. La première tentative de révolution socialiste pacifique et démocratique est écrasée dans le sang. Seul le président Allende et une poignée de proches résistent à l'aviation qui bombarde, aux tanks qui pilonnent. Armés de mitraillettes, ils sont une trentaine à défendre la démocratie chilienne qui vacille. Sur les ondes de la dernière radio encore capable d'émettre, le timbre chaud de la voix de Salvador Allende. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Après plus de 13 heures de vol, l'avion s'approche de Santiago. Je retourne au Chili, ce pays dans lequel j'ai vécu plusieurs années. Je viens chercher ce qu'il reste de Salvador Allende, de ses rêves de justice, de ses projets politiques. Difficile d'imaginer ce qu'étaient ses rêves un demi-siècle plus tard. Lui-même ne reconnaîtrait pas son pays. Après le socialisme en démocratie, le Chili a connu la dérégulation économique en dictature. Drôle de destin pour ce petit pays d'Amérique latine. Exemple hier de la gauche européenne, modèle de la droite ultralibérale aujourd'hui. Au cœur du quartier d'affaires, surnommé Sanatán, contraction de Santiago et Manhattan, l'économie de marché semble avoir gagné la partie. Mais ce n'est qu'un bout de la réalité. Un autre Chili palpite, la mémoire occultée de Salvador Allende. Au centre de la ville, l'Alameda, la principale artère de Santiago. Dans les kiosques, la presse chilienne est désormais libre. Le dictateur Augusto Pinochet a quitté le pouvoir il y a 23 ans. La démocratie est revenue. Mais devant le palais présidentiel, l'armée est toujours là. Aujourd'hui, mercredi, la garde parade devant la Moneda. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la relève, le début du spectacle. Au coin de la rue Morandé, qui longe le palais de la Moneda, je retrouve deux personnes qui me sont chères. Ils m'ont aidé à écrire un livre sur Salvador Allende. Hola. Patricia Espero, la secrétaire du président, et Pedro Mata, avocat et défenseur des droits de l'homme. Gusto de encontrarte. ¿Cómo estás tú? Tantos años también. Así es. Así que tenemos que ir a la Moneda. Vamos a la Moneda. Avec eux, je me rends devant les portes du palais présidentiel. Derrière ces murs, au premier étage, se trouve le Salón Toesca, où le président s'est donné la mort. Depuis trois mois,
Je demande l'autorisation de filmer cette pièce, sans succès. Sous l'objectif discret des militaires, j'essaye une dernière fois, avec l'aide de Patricia et Pedro. L'interdiction d'entrée, c'est permanent? Non, c'est plus compliqué que ça. Et les citoyens chiliens? Ils peuvent faire une visite avec un guide. Avec un guide? Et au premier étage? Non, là on ne peut pas y aller. Impossible d'y rentrer, d'accéder à un lieu qui, pour beaucoup, est un symbole de l'histoire de ce pays. Paradoxalement, à quelques mètres du palais, la statue de Salvador Allende domine la place. 40 ans après sa mort, le travail de mémoire reste un chantier. Au Chili, deux visions de l'histoire s'affrontent. Celle des ennemis d'Allende et celle de ses partisans. C'est ici que le président Allende est mort. Si tu regardes depuis le coin de la rue, c'est la quatrième fenêtre. C'est le salon Tuesca, là où le président s'est suicidé pour ne pas se rendre aux militaires. Pourquoi ne peut-on pas accéder au lieu où est mort le président Allende? Ce salon a été refait durant le mandat de la présidente socialiste, Michelle Bachelet. Il a été ouvert au public avec certaines restrictions, évidemment. On ne pouvait pas y aller tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Avec ce gouvernement, on ne peut plus visiter ce lieu historique. Je viens fréquemment à la Moneda, lors de visites qui sont autorisées par le palais. J'amène ici des étudiants, majoritairement originaires des États-Unis. Et cette année, on m'a systématiquement refusé l'accès au salon où est mort le président Allende. Au pouvoir depuis 2010, le gouvernement conservateur de Sebastián Piñera me semble occulter le souvenir encombrant du coup d'État. Selon toi, on donne quelle version de l'histoire à ce groupe scolaire que l'on a vu rentrer ce matin dans le palais? À ces jeunes, on raconte une histoire déformée, non seulement de ce lieu, mais surtout d'une partie importante de l'histoire du Chili. Je suis certain qu'on ne leur montre pas le lieu de la mort du président Allende et qu'on ne leur raconte pas non plus ce qui s'est passé ici, le 11 septembre 1973. Ce n'est pas seulement occulter une partie de l'histoire du Chili, c'est beaucoup plus grave. C'est mentir sur l'histoire du Chili. Quelques mètres plus loin, le 80 rue Morandé, la porte par laquelle entraient et sortaient tous les présidents chiliens jusqu'au jour du coup d'État. Cette porte a été fermée par la dictature après le coup d'État, juste après que le corps sans vie du président a été évacué. Cette porte est donc un symbole de l'intention de la dictature d'effacer une partie de l'histoire du Chili. C'est bien par cette porte que sont sortis les derniers combattants du 11 septembre 1973? Effectivement. Par cette porte sont sortis les membres du groupe qui ont accompagné le président Allende. Ce groupe a été mis en joue par les militaires, et puis on les a forcés à s'allonger sur la chaussée. Ils ont ensuite été menacés par un tank, prêt à leur passer dessus. Quant à la dépouille du président martyr, elle est transportée à 120 km de là. Viña del Mar, la cité jardin, au bord de l'océan Pacifique. C'est ici qu'a été enterré Salvador Allende. Au cimetière, j'ai rendez-vous avec Patricia Espero, sa plus proche collaboratrice, celle qui savait tout de sa vie. Pendant des années, elle a gardé le silence. Nous sommes dans le cimetière de Santa Inés, le lieu où, un matin triste et douloureux, les militaires ont enterré Salvador Allende, caché, dans le plus grand secret. Seule sa veuve Tencha, sa sœur Laura,
et son neveu Eduardo Grove étaient présents. C'est celle-ci, la tombe ? Oui, c'est la tombe. La tombe de la famille Grove, des proches d'Allende. Depuis, le corps de Salvador Allende a retrouvé une sépulture plus officielle. Que vive notre président Salvador Allende et qu'il repose en paix, 40 ans après. C'était logique qu'Allende donne sa vie. S'il ne l'avait pas fait, le président n'aurait pas respecté ce qu'il disait être. Je crois que c'est l'acte héroïque le plus fort de Salvador Allende. Le parcours politique d'Allende s'est achevé dans ce cimetière. Ironie de l'histoire, il a aussi débuté dans ce lieu lors de l'enterrement de son père. Ici, il a fait le serment qu'il accomplirait ce en quoi son père avait toujours cru. Il allait travailler pour les plus démunis, faire une révolution démocratique dans un pays qui était difficile, où les inégalités sociales étaient immenses. Tout a donc commencé à Viña del Mar. Défendre les plus pauvres, combattre les injustices, tel sera désormais son combat. Salvador n'est pas encore Allende, il n'a que 23 ans. Allende fera partie des fondateurs du Parti Socialiste Chilien en 1933. Il crée la section de Valparaiso, sa ville natale. Il y deviendra député à 27 ans, avant de devenir l'année suivante ministre de la Santé du Front Populaire Chilien. Dans un continent en ébullition, Allende a choisi sa voie, celle de la démocratie, des bulletins de vote et pas des fusils. Dans ce pays où 40% des gens vivent dans l'extrême pauvreté, où aucun enfant de paysan ou d'ouvrier n'a accès à l'université, les projets d'Allende sont radicaux. Hausse des salaires, école et logement pour tous, accès aux soins pour les plus démunis. Sa stratégie, l'unité populaire permise par l'union de la gauche. Après 3 échecs à la présidentielle, elle lui permet enfin d'accéder à la fonction suprême en 1970. Pour que son programme devienne réalité, Allende s'entoure de très jeunes collaborateurs. Parmi eux, Patricia Espero, Aníbal Palma, ministre de l'Éducation, Georges Araté, conseiller économique. Ils ont passé 1000 jours auprès du président Allende. Je les retrouve dans le restaurant où ils déjeunaient à l'époque. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aníbal, ¿cómo está usted? Hasta ahora bien. ¿Hasta ahora bien? No se sabe nunca después. ¿Patricia? Nous sommes dans un lieu historique. Les présidents de la République venaient ici. Vous avez les photos de tous les présidents de la République, excepté naturellement celle du dictateur. Le soir de la victoire, Georges et Aníbal ne sont encore que des militants socialistes. Patricia, elle, travaille dans un hôpital. Vous vous souvenez de la nuit de la victoire, le 4 septembre 70 ? Je me souviens, nous étions à l'hôpital, nous montions à la garde parce qu'on pensait qu'il pourrait y avoir des affrontements. Il y avait un groupe de médecins en train d'écouter la radio, de passer des coups de fil pour savoir ce qu'il se passait. Et là, l'annonce de la victoire nous a fait pleurer. Même les médecins les plus solides ont essuyé des larmes. Nous sommes descendus dans la rue par Providencia jusqu'à la FECH, la Fédération des étudiants du Chili. La chose la plus troublante, c'était le silence. Parce que Providencia était un quartier de gens aisés. Un silence. Toutes les fenêtres étaient fermées. Il n'y avait pas une seule lumière. Comme dans un pays vide. Et on est arrivé à la FECH où on a vu Allende qui était réellement heureux. Il rayonnait de bonheur.
Je crois que j'ai vu là se concrétiser son idée de tant d'années, d'avoir lutté pour un pays meilleur. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les gens dansaient, jouaient de la musique. Autour de lui, tout le monde était vraiment très heureux. Quand nous parlons de ce lien d'Allende avec les jeunes, ce n'est pas seulement les discours au balcon de la Fédération des étudiants chiliens. C'est aussi dans la composition de son gouvernement. Jamais dans l'histoire du Chili, il n'y a eu un cabinet avec autant de jeunes que durant le gouvernement du président Allende. Tu m'as raconté une anecdote incroyable. C'était un samedi matin. Vers 9h, le téléphone de ma table de chevet sonne. Je décroche. Allô, Georges ? C'était la voix du président. Je lui dis, oui, monsieur. Il me dit, Georges, je dois vous parler immédiatement. Venez sans tarder à la résidence présidentielle. Très bien, monsieur le président, j'arrive. Mais je vais mettre un peu de temps parce que je dois me doucher. Il me dit, vous, un homme jeune, à 9h30 du matin, un samedi, vous êtes encore au lit ? Oui, monsieur le président. Et il me demande, vous êtes seul au lit ? Oui, monsieur le président. Alors il me dit, écoutez, en plus d'être flemmard, vous êtes un con. Le président use de son humour pour évacuer la tension. Dans le palais de la Moneda, les journées sont lourdes, la tâche colossale. Le peuple attend les réformes promises. Ce qu'il avait annoncé dans son programme, il le réalisait. Et ça, ça provoquait une grande résistance des milieux conservateurs. Avant, comme aujourd'hui d'ailleurs, en Amérique latine, on a l'habitude que les promesses ne soient que de la propagande de campagne. Le président avait-il conscience des risques qu'il prenait en réalisant ce programme politique ? Il avait l'absolue volonté de poursuivre son programme. Donc il prévoyait qu'il y aurait un conflit très fort. Il a eu lieu d'ailleurs. Une confrontation violente avec les formations de droite, les agences de renseignement des pays capitalistes, et il savait qu'il mettait sa vie en danger. Ça, il l'a toujours su. On l'a tous entendu dire, il le disait souvent d'ailleurs, qu'ils allaient le sortir de la Moneda, les pieds devant. Pensée prémonitoire. Allende dérangeait. Une mesure va sceller le sort de l'expérience chilienne et le destin d'Allende. Une promesse de campagne devenue le projet emblématique de l'unité populaire. Celui qui l'a pensé et mené à bien. C'est Georges Arrate. À l'époque, il rentre de l'université américaine d'Harvard pour participer au gouvernement. Il est l'un des principaux acteurs de ce socialisme en démocratie. Vous aviez conscience à l'époque de ce que vous étiez en train de réaliser ? Nous savions que l'expérience chilienne attirait beaucoup l'attention des pays étrangers. Nous avons eu des visites importantes de personnalités. Moi, j'étais là quand est venu Fidel Castro. Et quand est venu au Chili, une délégation menée par François Mitterrand. Il venait voir ce qu'était cette voie chilienne au socialisme, qui se faisait sans armes, par la voie électorale. Mais pas seulement par la voie électorale, c'était aussi par la voie de la mobilisation sociale, mais pacifiquement. Des projets du président Allende, quels furent ceux qui ont posé le plus de problèmes aux États-Unis et aux grandes entreprises multinationales ? Sans aucun doute, la nationalisation du cuivre. La nationalisation du cuivre, la première ressource du pays. Le projet doit permettre de financer les réformes sociales, mais il touche directement les intérêts de trois multinationales nord-américaines qui exploitent le métal rouge au Chili. J'ai participé à l'étude que le gouvernement avait faite.
Dans cette étude, nous avons mesuré le taux de bénéfices qu'ils obtenaient au Chili et partout dans le monde, mais aussi dans leur pays d'origine, aux États-Unis. La différence était sidérale. En investissant au Chili, ils avaient des taux de bénéfices de 40 ou 50% par an. Alors que dans les mines qu'ils exploitaient aux États-Unis, le taux de bénéfice était à un seul chiffre. Pour déterminer le niveau d'indemnisation des multinationales, les Chiliens doivent fixer un taux de bénéfice acceptable. S'ils choisissent un niveau trop élevé, cela consacrera le droit des entreprises d'exploiter les ressources des pays sous-développés. S'il est trop bas, la mesure sera économiquement contestable. Comment s'est fixée la limite ? En établissant ce taux, Allende savait qu'il créait un précédent pour d'autres pays du tiers-monde. Et que s'il fixait un taux de 25 ou de 30%, il planterait un couteau dans le dos de ces pays qui espéraient récupérer la propriété de leurs ressources naturelles. C'était un élément très important. L'autre élément significatif était qu'il fallait que le taux reconnaisse que le capital pouvait générer des bénéfices. Le président a donc cherché un taux intermédiaire, raisonnable, et il lui est apparu que c'était 10%. Raisonnable, il lui paraissait que c'était 10%. 10%. Un taux très éloigné des niveaux énormes de bénéfices réalisés par les multinationales au Chili pendant des années. Le calcul est implacable. Pour nationaliser, l'État chilien n'a pas besoin d'indemniser les entreprises nord-américaines. Et si ces hommes avaient vu juste, considérer qu'il existe des bénéfices excessifs, l'idée a 40 ans, elle me semble pourtant aujourd'hui encore tellement actuelle. Et le discours de Salvador Allende à l'ONU en octobre 1972 en est une preuve de plus. Quand il vient à New York défendre sa doctrine politique et mettre en garde le monde devant un nouveau danger. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales. Políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Le message est universel, le moment historique. Les représentants des nations de la planète se lèvent et applaudissent longuement. Tous sauf un, l'ambassadeur des États-Unis. Par cette attitude, il marque son hostilité au président Allende. Un signe de plus que le sort de l'expérience chilienne est déjà scellé. Les idées d'Allende étaient devenues trop dangereuses. Elles remettaient en cause trop fortement les intérêts du géant nord-américain. Pour les assassiner, il faut en finir avec l'homme. Cette mécanique de la chute, une femme l'a disséquée.
Mónica González, prix de la liberté de la presse de l'UNESCO en 2010, est l'une des journalistes les plus respectées du Chili. Les États-Unis ont joué un rôle clé. Et je pense que c'est dû à des facteurs. Les premières, c'est la nationalisation du cuivre qui a fait Allende. Et qui vraiment, c'était pas supportable pour les entreprises, les grosses entreprises de l'époque. Et le deuxième facteur, c'est politique. C'est qu'à cette époque-là, en pleine guerre froide, pour les États-Unis, l'exemple chilien vis-à-vis de ce qui s'est passé à l'Europe, c'était plus dangereux que Cuba. Pourquoi? Parce que le Chili n'avait pas suivi les chemins de la révolution, de la voie armée pour arriver au pouvoir. Et pour les gens de l'époque, et pour la masse de l'époque, Allende a réussi à simplifier, à faire une équation qui jusqu'à ce moment ne s'était pas possible. Ça veut dire qu'on peut faire des transformations sociales, économiques, importantes, radicales, pour modifier la misère du Chili, de ce pays, sans avoir besoin de tuer et sans avoir l'occasion d'être tué. C'est une équation magnifique. Et cette équation pour les Français, pour les Espagnols, pour les Italiens, c'était un exemple, un chemin mais vraiment incroyable. C'était des pays qui avaient une très forte puissance sociale, un mouvement ouvrier, intellectuel, de gauche très organisé, et qui étaient au point d'obtenir la majorité des pouvoirs politiques pour la voix des votes populaires. C'est comme au Chili. Alors, en pleine guerre froide, Nixon et Kissinger, ils se sont dit, c'est pas possible. Il faut les tuer, ces mouvements, il faut les stopper, il faut l'annihiler. Comme dit Nixon dans un dialogue, il faut les faire crier. Il faut faire hurler l'économie chilienne. Et pour faire hurler l'économie chilienne, il faut à tout prix déstabiliser le pays. Le président Nixon donne carte blanche à la CIA. C'est pas moi qui l'ai dit, insiste, c'est tous les archives déclassifiées des États-Unis. L'intervention des États-Unis l'a permis, par exemple, à une quantité énorme de camionnets, des propriétaires de camions, d'estopper tout son travail pendant des mois. Et il recevait sa paye. Vous voulez dire qu'en fait, les États-Unis ont aussi financé les grèves? Ah, mais bien sûr. D'accord. Il faut dire que, comme le Chili, c'est un pays long, étroit, la route des camions, c'est indispensable. Si tu stoppes le mouvement des camions, il n'y a plus rien. Et c'est ça qu'il essayait de faire pour montrer aux citoyens que c'était Salvador Allende qui avait produit sous toute cette crise de l'économie. Parce qu'au fait, la gauche, elle ne savait pas gouverner. L'entreprise de déstabilisation américaine porte ses fruits. Dans les villas des beaux quartiers et dans les maisons de la classe moyenne, les Chiliens attendent avec impatience le coup d'État qui doit renverser le gouvernement de Salvador Allende. Parmi eux, le juge Juan Guzmán Tapia. Celui qui a plus tard poursuivi Pinochet n'était alors qu'un magistrat en début de carrière. Comment est-ce que vous avez vécu le 11 septembre 1973, vous personnellement? Oui. À l'époque, nous étions une famille plutôt de droite. On a vécu le coup en ayant l'espoir que le coup allait être un bien pour le pays et pour les gens, naturellement. Déjà, on était en tort parce qu'il n'y a pas de coup qui peut être bon pour un pays et bon pour les gens d'un pays. On a écouté les nouvelles de la mort du président Allende quelques minutes après et on a eu honte d'avoir eu cette espèce de satisfaction du coup. Malgré la honte, celui qui est au cœur du système judiciaire refuse de voir la nouvelle réalité du Chili. Après le coup d'État, les stades se transforment en prisons.
les maisons deviennent des centres de torture. Des milliers de Chiliens disparaissent. Nous ne nous imaginions pas qu'il y avait la disparition systématique des gens. On pensait que c'était des personnes qui étaient en prison et qu'après tard ou tôt, ils allaient retourner à la société. Mais à l'époque, je connaissais une seule personne qui avait passé par une prison et par la torture. Et on se demandait si c'était vrai. Une majorité de Chiliens n'auraient pas voulu voir les morts, les disparus, les suppliciés. Une majorité silencieuse qui serait restée sourde aux cris des militants de gauche torturés en plein cœur des villes. Pourtant, des témoins, il y en avait, comme Pedro Mata, mon ami, que je retrouve à l'endroit même où il a été arrêté il y a 38 ans. Hoy día se cumple exactamente un nuevo aniversario de mi detención, ocurrida el 17 de mayo de 1975 por la DINA, la policía secreta de Pinochet. Y la DINA, aproximadamente a esta hora, son 10 para las 10 de la mañana, un grupo de 8 agentes de la DINA ingresa por esta puerta. Uno de ellos saca un arma de mano, un revólver, se acerca y me la introduce en la boca. Y me dice que no me mueva. Me obligan a subir en la parte de atrás de una de las camionetas. El vehículo parte. Pieds et poings liés, les yeux recouverts de rubans adhésifs, il est emmené vers l'une des prisons secrètes de la police politique de Pinochet. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Dans un quartier résidentiel de la capitale, aujourd'hui, cette maison n'est pas devenue un lieu de mémoire, mais une demeure où vit une famille. À peine arrivé devant, le portail s'ouvre. Pedro me demande de filmer l'intérieur. Mira. Esta puerta? Sí. Perdón. Pero qué fantástico. Por favor, toma vistas del interior. Sí. Precisamente estaba tocando el timbre. ¿Me puedes dar un par de minutos? ¿Por qué está grabando? ¿Perdón? ¿Por qué están grabando por dentro de mi casa? Estamos grabando del exterior. ¿Estás grabando hacia adentro? Estoy grabando desde un lugar público hacia el interior. Bien. Bueno. ¿Qué te parece? Ciertamente no es alguien que tenga simpatía por lo que estamos haciendo. Okay. Esa persona con absoluta certeza sabe la historia de la casa. Okay. No tengo ninguna duda de eso. Encore une fois, ce conflit des mémoires. Ceux qui n'ont jamais voulu voir l'horreur et ceux qui cherchent à la dire. Me introducen en una habitación donde me sacan la ropa brutalmente, me golpean y cuando quedo completamente desnudo siento que me empujan y me amarran con las piernas abiertas y con los brazos abiertos en esta posición en un catre metálico. Y allí empieza algo que es indescriptible, porque una sesión de tortura no es posible describirla. Ahora, a mí me llevan a este lugar en muchas ocasiones. En mi caso y en el caso de otros prisioneros, a mí se me coloca un pedazo de trapo dentro de la boca. Paralelamente a esto, durante la sesión de tortura, en mi caso y en el caso de muchos prisioneros, se colocaba un tocadisco
con música muy alta, generalmente música de música popular, rock, etcétera, y eso entonces también ayudaba a callar los gritos. Desconozco cuántas sesiones de tortura tuve yo allí. En 1975, ce centre a fonctionné durant 6 mois. Plusieurs centaines de prisonniers politiques ont été torturés ici. 40 ont disparu. Leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés. Cent mille torturés, 3 000 morts, 1 000 de disparus. Devant le monument qui leur rend hommage au cimetière de Santiago, je m'interroge sur cette violence d'État, sur son sens. Par son caractère systématique, elle veut faire disparaître les rêves d'Allende et de ses partisans. Mais elle a aussi un autre but. Installer un nouveau projet. C'est ce que va m'expliquer le directeur du monde diplomatique chilien, Victor Hugo de la Fuente. Disons que les coups d'État étaient préparés contre un projet et pour instaurer un autre, vous voyez. Et c'était un des, peut-être les, même les premiers laboratoires pour instaurer le néolibéralisme. Et c'est ce qu'a fait Pinochet. Ce que les militaires imposent, c'est un autre pays, un autre modèle de société, libéral, néolibéral. L'homme que je vais rencontrer n'a presque jamais donné d'interview. Il est pourtant l'architecte de ces bouleversements. Un Chicago boy, un disciple de l'économiste Milton Friedman. Dans les années 50, Sergio de Castro a suivi l'enseignement du prix Nobel à l'université de Chicago. En 1973, les militaires vont lui donner une occasion historique, mettre en application la doctrine du maître américain. Le 11 de septembre fut le golpe militaire. Le 14 de septembre, llegó un véhicule à ma casa, un tanque, et se bajó un militaire et me dit que estaba citado al Ministerio de Defensa a hablar con el almirante Merino. Y así entré a ser asesor del ministro de Economía de entonces, que era un, no me acuerdo si era un general de haber sido así. Sí, en esa época no había varios políticos, claro, en el gobierno. No, no había muchos políticos. Sergio de Castro a lui aussi préparé le coup d'État, pas avec un fusil, mais à sa manière. Dès 72, il va fournir à l'amiral Merino et aux putschistes l'arme qui leur manque, un programme économique. Esto empezó porque gente del empresariado estaba preocupada de lo que venía. Fueron a hablar con amigos de las Fuerzas Armadas a decirle, mira, esta situación no puede seguir así porque vamos a terminar en eso. Y algunas de estas personas hablaron con el almirante Merino. Entonces Merino le dijo, mira, nosotros no podemos intervenir porque no sabemos qué hacer. Sin tener un programa económico sería absolutamente una locura que la Fuerza Armada interviniera. Entonces yo llamé a un par de profesores que éramos amigos, empezamos a conversar y así empezó a crecer el grupo. Pero pensado como un ejercicio intelectual. Me encargaron a mí la redacción del documento, que era con unas hojas bastante gruesas. Entonces por eso parecía un ladrillo grande. Y a alguien se le ocurrió y dijo el ladrillo. Devenu conseiller de la junte, puis ministre de l'économie, il va défaire pièce par pièce les réalisations économiques et les conquêtes sociales d'Allende. Alors que l'Unité populaire a nationalisé le cuivre, les banques et une partie des entreprises, Sergio de Castro va privatiser tous les secteurs, les ressources naturelles mais aussi la santé, l'éducation ou encore les retraites. El rol del Estado es determinar las reglas del juego y hacer que se cumplan.
pero no necesariamente intervenir como un ente productor, porque en eso normalmente no tienen la misma capacidad que tienen los privados. La doctrine de son projet tient en trois points. Libertad de precio, devaluación, y el tercer paso era rebaja de los aranceles para permitir la libre importación. Sergio de Castro a la certitude des vainqueurs. Son livre, El Ladrillo, la brique, est devenu l'ouvrage de référence de l'économie chilienne moderne. Ses préceptes, des dogmes planétaires. Car Milton Friedman n'a pas seulement inspiré Augusto Pinochet au Chili, il a fait des émules sur toute la planète. Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, Ronald Reagan aux États-Unis. Le modèle testé au Chili s'est peu à peu imposé jusque dans les anciens pays du bloc soviétique. Cette idée-là a été appliquée d'abord avec la force, mais après, ils ont convaincu les gens. Et surtout quand, dans les pays qui sont socialistes, on tombait, on nous a mis dans la tête qu'il n'y avait aucune autre possibilité que celle-là. Mais alors, la réalité du Chili, c'est quoi aujourd'hui ? Le Chili, comme tous les pays de l'Amérique latine, il y a eu un développement, une croissance économique importante. Et ils ne sont pas en crise. Et dans la plupart, il y a une diminution de la pauvreté. Par contre, dans presque tous les pays, il y a une augmentation des inégalités. Et ça, c'est le Chili, c'est un des grands exemples. Vous avez peut-être un ou deux exemples de secteurs d'activité qui ont été particulièrement touchés par ces privatisations durant la dictature. Tous les secteurs. La santé, les retraites, l'éducation, mais le cuivre. Aujourd'hui, 70% du cuivre est dans des mains étrangères. Mais il y a plein d'exemples. On peut dire aussi l'eau. Par exemple, l'eau, aujourd'hui, elle est complètement privatisée. Dans ce pays où l'écart entre les riches et les pauvres a doublé en 20 ans, que reste-t-il des rêves d'Allende, de ses réalisations sociales? Je quitte Sanatán et ses tours qui toisent la cordillère des Andes pour m'enfoncer dans une autre réalité. À La Legua, je découvre un autre pays, loin du rêve capitaliste. Sur ses murs, une autre histoire s'exprime à coups de pinceau. Ce quartier pauvre, bastion de la résistance à la dictature, n'a pas déposé les armes. Car à la violence des militaires, s'est ajoutée la violence économique. Dans ces rues, Allende reste le président et ses discours continuent de résonner. Quand Allende est mort, Gustavo Lulo Arias n'était pas encore né. Pourtant, les mots du président sont au cœur de ses chansons. Hola, Lulo. Salut Lulo, comment ça va? Bien. Hola, señor. Tomás, mucho gusto. Et toi? Hola. Mais dis-moi, tu es célèbre ici. Il y a ton nom sur les murs. Non, arrête, c'est pas vrai. Mais on est dans ton quartier. La Legua, oui. C'est mon quartier, oui. Si, vamos para la plaza. On y va? Ciao, hermano. Si le va bien. Ciao, señor. Ciao. Lulo est le fondateur de Legua York, la principale formation de hip-hop au Chili. Son rap veut réveiller les consciences. Comment as-tu connu l'histoire d'Allende dans un pays où on ne parle jamais de lui? C'est grâce à mon père. Quand j'étais tout petit, il m'emmenait sur ses épaules dans les manifestations. Moi, je suis né en dictature. Il m'a parlé d'Allende sans aucun tabou, sans mensonge. Et c'est ce que je dois faire aujourd'hui avec mon fils. Et ce personnage, il représente quoi pour toi? C'est notre président. Et aujourd'hui encore, il le reste. Au-delà des murs et de leur mémoire, il y a tout de même un héritage palpable de Salvador Allende. Un héritage connu de tous les enfants chiliens. Il reste quelque chose d'Allende au Chili aujourd'hui? Effectivement, ici, dans les dispensaires du Chili, on distribue encore du lait pour les enfants.
car c'est une chose qui est assurée par la loi depuis qu'Allende l'a mise en place. Et toi, tu as récupéré du lait pour tes enfants ? Oui, ma femme vient ici récupérer du lait pour mon fils. C'est un droit qu'ont tous les Chiliens. Quand on s'est connus, tu étais déjà un chanteur. Mais aujourd'hui, tu fais aussi de la politique, non ? Oui, je suis conseiller municipal. Mais la politique, pour nous, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pareil quand on prend un micro pour chanter ou écrire des chansons, non ? Pour toi, c'est pareil. Chanter ou faire de la politique, c'est pareil. Oui, ce sont des scènes. Pour moi, tout est une scène. De son vivant, Allende était l'homme de la rue. 40 ans après sa mort, les classes populaires ne l'ont pas oublié. À la Legua, Lulo lui a fait ériger une statue. Aujourd'hui, ses projets sont portés par une nouvelle génération. Une génération qui combat dans la rue pour remettre en cause le système hérité de la dictature. Un terrain vague occupé par des sans-terres. Ce soir-là, de grands artistes chiliens sont venus les soutenir. Ana Tijoux, Manuel Garcia ou Roberto Marquez. Mais aussi une femme politique, Camila Valero, 25 ans. Elle est l'icône de ces hommes et de ces femmes, celle qui incarne les rêves de changement. Tu peux m'expliquer où on est et ce qui se passe ici ? Ah, bueno. Attends, on prend une photo. Sacar la photo. Nous soutenons une initiative qui existe depuis de nombreux mois et qui reflète la réalité de beaucoup de gens pauvres au Chili. De nombreux Chiliens et Chiliennes n'ont toujours pas droit à un logement, à une habitation digne. Camila m'explique que nous sommes dans une toma, un quartier né de l'occupation illégale d'un terrain, un lieu où s'installent ceux qui n'ont pas de toit. En son temps, le gouvernement Allende avait soutenu les premières tomas. 40 ans après, les mêmes problèmes trouvent les mêmes solutions. Ici, ils préparent leur repas, ils prennent leur petit déjeuner et ils partagent le feu. Et ils habitent là. Ils dorment dans ces tentes, mais en réalité, ils vivent dehors. Ils vivent dehors. Oui, dehors. Camila est une figure de proue de la gauche chilienne. Cette militante communiste a accédé à la notoriété en se battant pour un droit fondamental, l'éducation gratuite pour tous. Ici, au contraire des autres pays du monde, l'éducation publique ne représente que 30% des enfants scolarisés. Dans les autres pays, 80% de l'éducation est publique et le reste est privé. Il existe une segmentation très importante. L'éducation publique, c'est pour les plus pauvres et le privé, pour les autres classes sociales. Dans l'éducation supérieure, tout se paye. Moi, j'ai étudié à l'université publique, entre guillemets. Et mon cursus, qui est l'un des moins chers, m'a coûté 4 000 $ par an. Droit au logement, à l'éducation. Ces revendications portées par cette jeune femme m'en rappellent d'autres. Ce que la dictature nous a coûté, ce n'est pas que du sang, des morts et des torturés, mais aussi des droits qui avaient été conquis, des droits que nous voulons récupérer aujourd'hui. J'ai l'impression de voir sous mes yeux se réécrire l'histoire du Chili, de voir se concrétiser l'espoir d'Allende,
celui d'un pays plus juste. 40 ans après, le président Allende a trouvé des héritiers. Camila Vallejo est l'un d'entre eux. Elle est en campagne pour devenir députée de la Florida, la plus grande circonscription électorale du Chili. Et elle pourrait même gagner. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, jóvenes, adultos, cuando existan en nuestras conciencias y nuestros corazones la visión de que todavía hay utopías que conquistar, yo creo que va a ser posible avanzar hacia un país mejor, hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva y donde logremos por fin deshacernos de las trabas que nos dejó la dictadura y desmantelar este modelo neoliberal que nos tiene sumido en la más profunda desigualdad, el abuso y la injusticia. De izquierda. L'émergence d'un mouvement social a redonné de l'espoir au Chili. Dans les cortèges, on retrouve l'énergie des manifestations de l'unité populaire. Le seul portrait, celui d'Allende. Le mot d'ordre, l'éducation gratuite pour tous et la renationalisation du cuivre, la ressource du pays, pour financer cette grande réforme. Sur ces questions, les centaines de milliers de jeunes qui manifestent sans relâche depuis 2 ans ont réussi à fédérer une grande majorité de la population. Le retour des idées d'Allende provoque aussi le retour de vieux réflexes. La droite au pouvoir, nostalgique de la dictature, répond avec des armes qu'elle ne connaît que trop bien. À chaque fin de manifestation, les mêmes images de répression, de guérilla urbaine, qui seront reprises en boucle par les médias chiliens. Le 8 mai, il est 14h30. J'ai quitté la manifestation depuis 1 heure quand je vois une voiture s'arrêter à la hauteur d'un groupe de jeunes. 3 hommes en descendent et tentent d'embarquer de force 2 lycéens. Elles Torres. Elles Torres. Sí. Elles, elles, elles. Él es Torres. Él es. Bueno, fui a tomar la micro al paradero. Esa la micro también viene un auto enfrente de ella. Y de ese auto es el donde se bajaron los sujetos que me secuestran. Yo, ella estando adentro del auto, me ponen un polerón en la cabeza para que no pueda ver hacia dónde me llevan. Podían pegarme libremente. ¿Te pegaron? Sí, me golpeaban y me hacían preguntas. ¿Quién era yo? ¿El lugar donde vivo? ¿Con quiénes vine a la marcha? Me obligan a meterme a mi cuenta de Facebook, a darles mi contraseña para meterse ellos. Y empiezan a buscar entre las fotos de mis contactos. Empiezan a mostrármelo y a preguntarme individualmente por persona si habían participado o no en esa manifestación. Yo la grabé, yo la grabé. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde
de nuevo a virar la grande Alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.